Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui, exactement, madame. Y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Je vais donc lui montrer de quoi l'Égypte est capable. D'accord. Je vais lui construire le plus magnifique des palais. D'accord. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. D'accord. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire... C'est moi qui vais architecter tout le... Tous mes architectes sont occupés. C'est que je suis un petit peu charrette en ce moment. J'ai le chantier de Malocoxus à terminer. Y a ce petit problème de carrelage qui est pas très important, mais faut quand même... Non, mon beau-fils. Construis ce palais. Tu as 3 mois. 3 mois, mais 3 mois... avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois... En 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça sera... Ça ne me semble pas très faisable, madame. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Si vous finissez à temps, il y aura de l'or pour tout le monde. Ça fait plaisir. Sinon, les crocodiles. Ça fait pas plaisir. Quand j'étais petit, papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panobemex. Panasonex. Un truc en X. Ça commence par Panob. Oui. Et ça finit par Enix. Ah, c'est pomme de Renette et pomme de Pinix. Panérémé. Un droïde. Un droïde gaulois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force. Avec cette potion, on construit tout comme ça. Je finis dans les temps et je vais au crocodile. J'y vais. Attends à moi. Allez, on y va, allez. Il est vite au nord. Au nord. Bien plus au nord. Allez, cannabis, allez. Galop, cannabis. Galop, galop. Galondin. Galondin. Panomalix. Panomalix. S'il vous plaît, vous êtes Astérix, moi. Vous connaissez Panobamex? C'est un droïde. Je ne peux pas te vendre de potion magique numéro bis. Il ne s'agit pas de tout me vendre, juste une marmite. Non. Une petite marmite? Non. Une gourde? Non. Une gourdinette? Non. Un bol? Une bolinette? C'est un petit bol. Une bolinette et après c'est tout. Le secret de la potion magique se transmet de druide en druide et il ne sera jamais question d'en faire commerce. Tel que c'est parti, ils tiendront les délais. Possible. Apparemment, impossible n'est pas gaulois. Numérobis en a appelé 3 à son secours, dont un druide qui se nomme THX. Panoramix? Panoramix, c'est ça. Je savais que ça sonnait large. Et avec lui, un petit rusé, un gros monstrueux, Aikix et Journal du X. Ou Malcolm X. Surveille comment évoluent les choses et puis j'aviserai. Civis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Le petit Gaulois a un nom de héros du genre Jomanix.